À 5000 de Québec, à quelques 600 pieds du vieux pont, s'élève maintenant le pont Pierre-Laporte. En 1961, le gouvernement du Québec confie à une firme d'ingénieurs conseils la responsabilité de concevoir un nouveau pont. Les plans définitifs s'arrêtent sur un pont suspendu d'une longueur totale de 3414 pieds, incluant une travée centrale libre de 2190 pieds. À la fin des années 50, une étude avait confirmé que la capacité du vieux pont était atteinte. Il devenait nécessaire d'accroître le débit de la circulation.